Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maison moderne sur Minecraft qui est celle que vous avez derrière moi. J'adore cette maison là, vraiment elle est ultra stylée je trouve. Il y a tout vraiment d'intéressant en fait dans cette maison là. Il y a un concept de structure qui est très sympa. Je te fais un petit peu le fly around aussi pour visiter un petit peu l'entourage. Tu vois, donc c'est sympa, il y a de tout en plus dans cette maison là. Il y a une partie qui est couverte comme ça, tu vois. Il y a une partie qui est surélevée avec des piliers en forme de V. Donc toute cette partie là de la maison qui est au-dessus du sol. Et avec un grand escalier d'entrée et tout. Enfin, j'ai déjà fait une maison ou deux qui ressemble un petit peu à ce style là, mais vraiment avec. Mais cette maison là est vraiment particulière parce que regardez, au niveau de la structure elle-même, hein, vous partez de là et les blocs de quartz font un peu une sorte de ruban qu'on aurait déroulé tout le long ici pour revenir ici par là, qui après revient par là pour repasser par dessus, ce qui est un peu comme un nœud finalement. Et c'est la structure du bâtiment qui est faite comme ça et honnêtement je trouve ça très intéressant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je vous invite à la faire avec moi du coup, cette maison là à l'arrière, hein, par derrière, là où j'ai mis directement une petite plateforme. Donc voilà, vous pouvez utiliser pour la structure du coup un bloc blanc. Moi, ici présentement, j'ai utilisé du quartz, mais vous pouvez utiliser aussi n'importe quel autre truc, genre du béton, de la laine, de la neige, peu importe, à partir du moment où c'est blanc. Je vais aussi vous demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Là c'est un tuto qui arrivera peut-être plus tard sur la chaîne mais que je suis en train de spoiler comme un machin. Donc là il y a d'autres trucs à éviter de spoiler aussi. Voilà. Genre par exemple j'ai fait des tutos de mini maisons sur Minecraft comme celle-ci par exemple hein, sur la chaîne, ou encore voilà des tutos de maisons comme celle qu'il y a là-bas aussi. Donc voilà, je fais des tutos comme ça sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Voilà, vous avez vu d'ailleurs en exclusivité la tuto qui verra un peu plus tard du coup sur la chaîne, la piscine que je vous ai montré tout à l'heure. Alors faut pas que je spoil trop non plus, il y a les maisons que j'ai mis dans le désordre et donc forcément ça spoil. Donc je vous montre la piscine pour ce qui voilà, comme ça vous avez un préambule de ce qui arrivera plus tard, pas forcément la prochaine fois hein, mais un peu plus tard sur la chaîne. Voilà, bref, du coup on en revient à nos moutons et on va commencer à faire cette première plateforme pour notre maison. Alors du coup, comment on va faire cette plateforme là? On va déjà faire un grand carré, enfin en forme de rectangle, mais moi j'appelle ça des carrés, qui va faire 11 blocs de large ici, vous voyez. Donc là ça fait 11 blocs de large sur la tranche, ok. Et on a 28 blocs sur la longueur. Donc vous voyez ce grand rectangle là, il fait 11 blocs sur 28, d'accord. Ici du coup on se met comme ça par rapport au rectangle et ici ce sera la façade. Et donc du coup on va aller sur le bord de notre rectangle ici pour laisser 3 blocs de marge. Et ici on va faire un carré de 9 blocs de long, ici comme ça, et de 7 blocs de large. D'accord? Donc je répète vite fait, hein. On a 11 de largeur là-bas, on a 28 de longueur en tout, on laisse 3 blocs ici de marge et on fait un carré de 9 par 7. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va reprendre nos blocs de quartz, que du coup j'ai pas dans mon inventaire, ou n'importe quel autre bloc blanc, hein, peu importe, et on va venir ici sur le côté, vous voyez, à ce niveau-là, et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, une hauteur de 5 blocs ici. Et on va ranger, on va compléter tout le mur à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va venir ici, pouf, pouf, pouf. Voilà, et on va compléter tout le mur ici. Paf, voilà. Une fois qu'on a rempli ce mur-là, on va prolonger un toit ici, comme ça, qui va venir jusqu'à 25 blocs de longueur, je vais te montrer. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et au final, vous voyez que ça correspond au bout de notre morceau ici, ok. Et on va venir recouvrir toute la surface de notre maison, hein, de la même largeur qu'en dessous. Voilà, pour dérouler le ruban en quelque sorte, hein, vous voyez. Boum, voilà, donc cette surface-là, on la remplit aussi rapidement. Et une fois qu'on a ça, on va venir sur notre petit bout à ce niveau-là, d'accord. Et on va venir compter à partir de ce bloc-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. Petite précision aussi que j'avais pas précisé, on va laisser 3 blocs de hauteur sous notre première plateforme, d'accord. Donc 1, 2, 3 blocs,
Évidemment, ces blocs-là, on les met pas, hein, mais c'est pour vous illustrer. Il y a trois blocs de hauteur en dessous de notre première plateforme. Voilà, de la plateforme qu'on a fait au tout départ. Donc, les 7 blocs de hauteur que je viens de faire ici, là, vous voyez, on va faire le mur complet à ce niveau-là. Donc, le mur qui va venir, hop, comme ça, vous voyez. On va le compléter rapidement. Et d'ailleurs, c'est pas 7 blocs de hauteur qu'il va falloir faire, c'est 9, en fait. Voilà, 7, c'était la largeur du truc. Je me suis gouré dans les largeurs. Bref, du coup, on fait bel et bien un mur ici de 9 blocs de hauteur. D'accord. À partir du haut là-bas, on va faire toute la partie du toit qui va venir comme ça. D'accord. Donc on va la faire à 26 blocs de longueur. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. D'accord. Donc on l'a fait dépasser largement hein, de notre partie ici. Ça va correspondre à cette partie-là, vous voyez, hein, du bâtiment, et on mettra des piliers en dessous pour avoir un espace entre les piliers et le mur pour pouvoir mettre un petit peu de water feature. Ça fait toujours le petit côté sympathique. Ok, et donc, hop, on refait l'autre côté du mur et normalement, hop, on arrive comme ça. Et donc, toute cette surface-là, on va la combler, elle aussi, de notre bloc blanc, quartz, laine ou tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc voici un peu à quoi ça ressemble du coup notre structure. Vous voyez que la maison là, elle est... enfin la structure de la maison est déjà faite. Finalement, il ne reste plus qu'à mettre les murs. Et c'est en ça que la maison est très facile à faire du coup. Parce que vous voyez, c'est que des surfaces à remplir. Et tout le reste, ça sera juste des murs à poser. Donc c'est vraiment, vraiment simple. Et c'est ça que j'aime bien dans ce style de maison. Alors du coup, on va venir prendre nos blocs de béton gris. D'accord, gris clair, et on va venir mettre des murs à l'intérieur de notre structure. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée, hein, il n'y aura pas grand chose à mettre. On va prendre notre bout de maison à ce niveau là et on va compter deux blocs en arrière, et à partir du troisième on décale de un bloc sur le côté, hop, et on fait un mur comme ça sur toute la longueur, et qui va se plonger aussi sur toute la longueur, hop, comme ça, en laissant juste un bloc de marge par rapport au bout du mur. On s'aligne par rapport à l'autre côté. Hop, et on va remplir tout ça de béton. Alors toute cette partie là du mur, on va la faire descendre tout jusqu'au sol. Voilà hein. Et donc voilà ce qu'on a quand on regarde de loin. Donc rien de bien compliqué. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va juste laisser, alors on va laisser combien, on va laisser 4 blocs. Ok, pour l'instant je fais pas les fenêtres hein. Je ferai les fenêtres plus tard. On fait juste les murs de manière générale. Donc ici on va quand même laisser, à partir de ce coin là, vous voyez, on va laisser un bloc vers l'intérieur, et on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs libres dans lesquels il va y avoir rien à voir, et on va mettre du béton sur toute la longueur qui reste, juste voilà, donc en laissant un bloc ici, donc avec 4 blocs par rapport au fond hein, pour que lorsqu'on va monter le mur on ait juste un bloc d'écart à ce niveau là, d'accord. Donc on va prolonger le mur tout jusque là pour avoir un bloc de marge, et on va prolonger ce mur sur toute la longueur du bâtiment tant qu'à faire. Hop. Alors oui non, on va juste laisser les 4 blocs de marge par rapport à ce mur là, et en fait toute cette forme là en U que j'ai fait, on va la monter jusqu'au plafond. Voilà, et donc on va faire le dernier étage du coup, et après on fera les finitions, les fenêtres et tout. Et le dernier étage, on va prendre le bout de notre morceau de structure ici, on va faire un bloc ici, hop, on le prolonge sur la longueur en laissant toujours un bloc de marge de chaque côté hein, par rapport au mur, et on va venir comme ça, donc avec 2, 3, 4, 5 blocs de marge, ok, venir, voilà, faire un mur comme ça, et on va les monter jusqu'au plafond, hop, ok, et on va après ça rajouter les escaliers pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de la maison. Parce que les escaliers, ils ont ça de particulier sur cette maison d'être hyper classe en vrai. C'est quelque chose que je zappe souvent moi les escaliers, puisque c'est quelque chose qu'on met assez souvent à l'intérieur de la maison. Sauf que là je les ai complètement extériorisés, c'est-à-dire que les escaliers pour pouvoir passer d'un étage à l'autre sont complètement à l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, l'entrée elle est là, l'escalier pour aller au dernier étage il est... Il est à l'extérieur tout en étant à l'intérieur de la maison, enfin tu comprends le truc. Et ce sont des éléments de décoration à part entière les escaliers, et c'est ça qui est très intéressant dans cette maison.
Et donc on va les mettre. Le premier escalier va être celui de l'entrée, donc à ce niveau-là. Et on va le mettre sur 4 blocs de marge, hein. C'est pour ça que j'avais ouvert sur 4 blocs à côté de du mur ici, hein. C'est pour pouvoir laisser libre l'entrée. On met des escaliers à l'endroit et à l'envers aussi pour avoir un truc un peu plus fin. Hop, c'est pour ça aussi que le fait de faire la maison en quartz est intéressant dans le sens où ben, du coup les escaliers sont en quartz aussi. Et du coup c'est plus pratique. Voilà, donc on fait notre premier escalier comme ça. Et on va faire notre deuxième escalier là-bas. Hop, donc on va se mettre ici sur 3 blocs de large en fait sur cet escalier, donc en face de notre mur ici. Ok, pouf. Et on met les escaliers comme ça, à l'endroit, à l'envers. Hop, hop. Et évidemment, pouf, pouf, pouf. Ok. Donc là, on est bon. On a nos escaliers pour pouvoir circuler dans la maison. Maintenant, ils vont pouvoir circuler en mettant les ouvertures pour les portes et les fenêtres. Et donc voilà, on va mettre une fenêtre en plein milieu de notre partie qui est surélevée du coup, puisqu'il n'y a rien en dessous là, si ce n'est un truc pour soutenir la maison. Et donc à ce niveau là, il n'y aura rien du tout. Donc on va faire une fenêtre donc de décaler de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et à partir du 6ème bloc, on va ouvrir sur 4 blocs, d'accord. Hop, comme ça, on va faire la même chose sur l'autre côté. Une fois qu'on est à l'intérieur de la maison ici, on va ouvrir, hop, là-bas, l'extérieur. Pouf, comme ça, par exemple. Voilà, on peut faire sur 3 blocs si on veut, hein, peu importe. Et le truc du dessus aussi, pareil, du coup, hein, on fait la fenêtre de la même façon, pour avoir une cohérence. Et ici, du coup, il va falloir avoir une entrée pour pouvoir passer sur cette petite terrasse-là. Donc l'idée, c'est de la mettre pile en face de notre passage, vous voyez. Ici, là, on a 2 blocs à côté de l'escalier. Le troisième bloc, à ce niveau-là, servira à mettre une barrière. Donc l'idée, c'est de mettre une entrée pile en face de notre passage. Voilà, tout simplement. Ici, la même chose, on met une entrée comme ça. Parce que ici c'est un mur, hein, donc du coup on met une entrée ici, on va même complètement ouvrir. Et pareil ici d'ailleurs, hein, au niveau du fond. Et ici, on va prolonger la fenêtre qu'on a là de l'autre côté, hein, ici comme ça. Donc finalement il reste plus grand chose de mural, on va dire, sur cet étage là, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a fait ces deux étages là, maintenant il faut faire cet étage ici en dessous. Mais pour faire cet étage d'en dessous, on va devoir prendre des repères pour faire une piscine. Puisque vous allez voir sur le modèle que j'ai fait, la piscine va conditionner l'emplacement là où on va faire la piscine va conditionner tout le petit chemin qu'on va faire autour, vous voyez. Et donc c'est en fonction de ce petit chemin là qu'on va devoir faire l'entrée de cette partie là de la maison, finalement. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut une piscine. Et donc comment est-ce qu'on va faire la piscine? Eh bien on va laisser 3 blocs de marge entre notre escalier ici. Vous voyez, donc on va compter 1, 2, 3 blocs. À partir du quatrième on met un petit bloc. Hop, on va de l'autre côté, on compte à partir du mur 1, 2, 3 blocs. Et à partir du quatrième on met un bloc. Donc là c'est bon, on a notre largeur de piscine. Maintenant ce qu'on veut c'est avoir notre profondeur. Et donc on va utiliser des escaliers en quartz pour pouvoir faire le support en fait de cette partie là de la maison. Ok, donc on va le faire à peu près ici, hein, pour que ça se voit bien quand même. On va le faire en escalier comme ça, pouf pouf. Hop. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce support là? C'est parce que bien évidemment la piscine va avoir 3 blocs de marge par rapport à notre support. Ok, donc c'est pour ça que je le fais. Et donc c'est pas bien compliqué, hein, support, on fait des escaliers comme ça, hein, comme pour les escaliers qu'on a mis. Sauf que du coup on va le refaire, on va faire 2 escaliers qui se font face, comme ça. Ok. Hop. Hop. Et hop. Et une fois qu'on a mis notre support ici comme ça, on va reprendre nos demi-blocs de quartz et on va compter 1, 2, 3 blocs. Et à partir du quatrième, on va mettre un petit repère. Ici, on a nos 3 repères comme ça et on va les relier entre eux comme ça pour avoir notre bord de piscine, d'accord. Et donc il suffit de le faire aller la piscine après jusqu'à où vous voulez, voilà, parce qu'il n'y a pas de limite, hein, dans l'idée.
Hop, moi je l'ai fait de cette longueur-là, ça passe plutôt bien. Donc l'idée, c'est que on va faire un petit chemin du coup en bloc, enfin, en planche de bois de bouleau. Ok. On va le faire devant notre escalier principal ici, c'est-à-dire qu'on va venir devant l'escalier creuser une longueur de chemin finalement qui va être aussi longue que la piscine, hein, pourquoi pas, ça fait plus joli. Hop, donc voilà, on va creuser tout un trou ici comme ça pour pouvoir mettre les planches, voilà. Et donc l'idée c'est qu'on va venir faire un petit chemin comme ça qui va contourner la piscine. Donc du coup on va venir à partir de la base de l'escalier, comme ça, faire un trou de 3 blocs de large et qui va venir, bah voilà, sur 3 blocs de large entourer la piscine. Hop, comme ça. Hop. En train de tout casser. Et 1, 2, 3 blocs ici, comme ça aussi. Et donc, tout ce creux là qu'on vient de faire, on va le mettre en bloc de bois aussi. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre petit chemin, du coup, bah on va pouvoir ouvrir notre maison à ce niveau-là sur 3 blocs du coup. Donc pareil en face pour avoir une fenêtre. Donc là ça sera l'entrée, hein, et en face ça sera une fenêtre à ce niveau-là. Et au bout de chaque bord, on va l'ouvrir pour avoir de la lumière. Voilà, par exemple. Ou ici on peut laisser fermer comme c'est la façade de la maison pour que ça soit plus joli. Voilà, comme vous voulez, si vous voulez avoir plus de lumière, vous ouvrez. Fais-toi plaise, j'ai envie de dire. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir continuer le sol en fait de notre maison à ce niveau-là. On va continuer à prolonger tout simplement les blocs de bois de bouleau. Hop, ici, on creuse tout ici aussi et on remplit de bois de bouleau. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va utiliser les vitres pour faire les fenêtres. Pouf, pouf, pouf. Donc ici comme ça, on va en mettre une ici complète. Pareil au niveau de l'arrière, ok, et on va aussi mettre des vitres au niveau des entrées sur le dessus comme ça, pour faire vraiment moderne pour le coup. Bon, même si on risque pas de confondre cette maison là avec une maison médiévale, certes, donc il n'y a pas forcément besoin de spécifier que c'est une maison moderne, mais quand même, voilà, on rajoute un petit peu pour que ça fasse classe, genre ici par exemple autour de l'entrée, voilà, pour que ça soit classieux quelque part. Donc cette fenêtre ici du coup au fond, celle-là aussi, celle-là au fond et celle-là vont être complètement remplies de vitres. Voilà. Hop, hop, et ah j'ai oublié celle-là du coup dans mon petit, ma petite ellipse. Hop, bref, ça va pas être très long de la mettre, voilà. Et ici du coup, pareil, on met juste deux blocs de fenêtre au-dessus pour faire, une entrée de maison. Ok, ici on arrive sur la terrasse du coup, comme on est en hauteur, bah, va falloir éviter de tomber comme je viens de le faire. Là je suis en créatif donc ça va, mais sinon ça peut être problématique, donc on va tout simplement mettre une barrière ici. On peut même mettre un plongeoir à ce niveau-là pour aller au-dessus de la piscine, hein, pourquoi pas, s'il y en a qui veulent. Évidemment la barrière de l'autre côté aussi, hop, pour aller rejoindre jusqu'au bloc ici, d'accord. Et des vitres au niveau de l'entrée à ce niveau là aussi bien sûr, voilà, et au niveau des fenêtres, hein, pareil. Juste il y aura un truc à faire gaffe, c'est la fenêtre juste après, c'est celle là en fait, ça sera pas une fenêtre, ça sera une entrée sur cette terrasse là, parce que voilà, l'idée c'est que voilà, l'architecture du bâtiment est telle que on a une énorme place à ce niveau là et ça serait dommage de la gâcher, donc l'idée ça sera tout simplement une terrasse. Alors pour le coup ça sera une terrasse que j'ai voulu minimaliste, parce que c'est quelque chose que je fais très rarement, le minimaliste, mais là pour le coup ça s'y prête plutôt bien, parce que j'ai testé de mettre des barrières ici, vous voyez, sur tout le long, ou des blocs de quartz et tout, sauf que quand on s'éloigne, bah, ça casse un petit peu la forme de la maison, donc au niveau visuel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques transats sur cette place là de la maison pour faire la terrasse, mais ça reste très minimaliste dans l'idée. Donc voilà, moi j'ai fait ça comme ça, et donc sans barrière ni rien, pour éviter de casser l'effet visuel, voyez-vous. Alors du coup, bah, on va quand même creuser la piscine maintenant, ça serait pas mal du tout.
Et on va, voilà, on va creuser la piscine, mettons sur 4 blocs de profondeur. Voilà, donc là je suis à 2, hop, 3 ici et 4. Ok, on la creuse sur toute la longueur sur 4 blocs de profondeur. Une fois ça fait, on va tapisser tous les bords ici comme ça, à la place de la terre, on va mettre du quartz à la place, d'accord? Parce que c'est quand même plus joli. Et donc voilà, on fait ça sur tous les côtés de notre piscine. Et une fois ça fait, on va tapisser tout simplement le sol, le fond de la piscine avec du lapis lazuli. Parce que ça fait un bloc bleu qui est intéressant à exploiter pour le fond de piscine. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre de l'éclairage, parce que c'est vrai que la nuit, bah, si on met pas d'éclairage, bah, on voit rien, hein, tout simplement. On voit, moi je cause bien la France aussi. Donc l'idée, c'est qu'on va en mettre dans... On va mettre de la scie lanterne, de la lanterne de la mer, du coup, dans les murs, hein, tout simplement. Voilà, pouf, paf, pif, pouf, paf, et pif, voilà. Tout simplement, et une fois qu'on a ça, on va remplir d'eau. Un truc de complètement fou pour une piscine, hein, comme tu l'imagines. Remplir une piscine d'eau, ça c'est une idée révolutionnaire. Et du coup, hop, on remplit ça d'eau. Moi je vais utiliser World Edit parce que faire tout ça à la main, je te raconte pas le délire. Donc, avec le mode que j'ai installé sur mon jeu qui est World Edit, parce qu'il y en a toujours qui demandent du coup, donc j'explique un peu. On peut changer des choses sur la map en temps réel, donc c'est assez pratique, comme là par exemple. Bref, du coup, une fois qu'on a ça, on va utiliser, on va faire les finitions, hein, tout simplement, puisque là, on a quand même bien avancé. Donc, je vous inviterai à prendre les barrières de bois, ok, les vignes, les feuilles, voilà, je trouvais plus le mot. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Je sais pas, on verra au fur et à mesure, de fleurs aussi. Alors, on va venir prendre les barrières et on va venir à l'arrière de la maison cette fois-ci. Et on va venir, voilà, au niveau de la grande partie du toit qui dépasse. Et on va venir comme ça mettre une barrière ici. Non, alors, avec un bloc d'écart à chaque fois, évidemment, par rapport au bord du toit. Et on fait une grande colonne de barrières comme ça, tout jusqu'au sol. Et donc ça fait une sacrée hauteur, hein, de barrière, ça on dirait pas comme ça, mais comme c'est au troisième étage, bah finalement, ça en fait un petit peu quand même. Hop, voilà. Et donc on a l'impression du coup que le toit est soutenu par ces grands piliers comme ça. On est sur Minecraft, donc forcément que non, c'est pas soutenu, il n'y a aucun bloc qui est nécessaire d'être soutenu, mais voilà, ça donne cette illusion là, c'est plutôt sympa. On va faire la même chose pour la petite partie ici du toit qui dépasse aussi, hein, bien sûr. Donc pouf, 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 paf, pif, et on est bon. L'idée maintenant, c'est qu'on va rajouter des feuilles de l'herbe, enfin de la... On appelle ça Bref, on va rajouter des arbres, ici avec des barrières, sur deux blocs de hauteur, par exemple, et on va rajouter toute une colonne de feuilles comme ça. Assez haute, et on va utiliser de la vigne, des lianes comme ça pour mettre sur le côté de notre plante, en fait je sais même pas comment on pourrait appeler ça, une sorte d'arbre. Hop, comme ça on tapisse tous les côtés, et il faudra juste penser à quelque chose, c'est à dire d'utiliser de la ficelle pour mettre au pied de notre arbre ici comme ça, pouf, vous voyez, à ce niveau là, pouf ici, pouf ici et pouf ici. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour empêcher les lianes de tomber et de continuer à grandir. Pour avoir quelque chose de propre, quoi, que ça parte pas complètement en couille. Et donc du coup sur la deuxième partie on va aussi mettre de la végétation, sauf qu'on va la mettre sur le dessus, ok, de notre partie du toit. Ce qui est un petit peu contradictoire. Là, vous voyez, vous avez un grand arbre en dessous d'un toit, et là vous aurez des petits arbres au-dessus d'un toit. Du coup voilà, ça c'est un petit peu, ça donne... voilà, c'est un petit côté sympa, conceptuel, voyez-vous. Donc voilà, sur 2-3 blocs de hauteur, hein, ça rend bien. Moi j'aime bien, n'est-ce pas? Voilà, on va continuer avec nos herbes comme ça, et on va les mettre sur le toit ici comme ça par exemple. Pouf, en train de tomber un petit peu comme ça du toit par exemple, ce qui donne un côté sympathique, ok.
Alors une fois qu'on a ça, on va rajouter des arbres aussi comme ça pour rendre un peu plus sympathique le reste, hein, comme pour sur le modèle, vous voyez, donc ici sur le côté et un petit peu devant là-bas. Hop, donc on va faire ça rapidement. Youp. Donc on va mettre deux arbres ici comme ça par exemple, donc un bloc de, enfin deux blocs de barrière de bois en hauteur. Et ici juste 1, et on va faire voilà, des arbres, 1, 2, 3, 4, 5, et ici juste 1, 2, 3 peut-être en hauteur, voilà, pour donner un petit peu de vie à toute cette histoire. Et ici sur le côté, on va mettre des arbres, voilà, tous les, tous les 3 blocs, ici par exemple, paf, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf, et on va les faire de moins en moins haut, voilà, c'est un peu l'idée. Donc ici on va les faire jusqu'à voilà, jusqu'à à peu près un bloc au-dessus de la taille du toit ici. Donc ça fait combien? 4, 5, 6, 7, 8. Donc à 8 blocs de hauteur. Ok. D'ailleurs ils vont avoir 2 blocs de barrière pour leur tronc. Hop. Hop, ok. Et on va rajouter hop, les feuilles des arbres. Ici à ce niveau là aussi, hop, ici on en met que 7 par exemple pour les deux suivants. Vous voyez, les deux premiers on les met à 8 blocs de hauteur, et ici on les met que à 7, et par exemple le petit dernier on le met à 6 blocs, voilà. Et bah, vous voyez qu'on commence à arriver au bout, hein. On va rajouter les petites finitions quand même. Il nous reste à mettre le sol, à donc les éclairages du sol avec les petites les fleurs, voilà, je trouvais plus le mot. Donc on va utiliser des gros rosiers. On va utiliser de la sea lantern, je sais pas comment ça se dit en français, donc de la lanterne de la mer, et des panneaux solaires, ok, qu'on utilisera pour le toit du coup. Alors les rosiers, on va les mettre entre notre petit chemin et la piscine, hein. Comme tu peux le voir ici, il y a un petit une petite place, donc tous les deux blocs, hein, par exemple. Ici, pareil, hein, les rosiers, tous les deux blocs, paf, 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 paf. Et ça donne quelque chose de visuellement beaucoup plus vivant, je trouve. Et pour donner encore plus d'éclairage, en fait, finalement, à ce truc-là, on va mettre des sea lanternes derrière les rosiers pour les voir encore plus. Voilà, par exemple. Et vous voyez que on les voit plus, hein. Ça marche. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre des panneaux solaires sur le toit. Donc, voilà, ici, comme ça, par exemple. Hein. On les fait voilà, d'une longueur comme ça. Ou deux, par exemple. Hein. On peut en mettre deux. Hop, d'à peu près la même longueur. Alors, j'en ai mis combien? 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et alors, comme on est sur Minecraft, les panneaux solaires comme ça, lorsqu'on les met en mode nuit, sont bleus et ça ressemble davantage à un vrai panneau solaire réel en fait. Donc l'idée, moi je vous conseille de les mettre en bleu d'un point de vue esthétique. Après évidemment, vous pouvez en avoir une utilité particulière avec de la redstone. Mais après, voilà, donc vous faites en fonction bien sûr. Moi, je les mets en position nuit parce que ça rend plus réaliste. Voilà, et après évidemment vous pouvez rajouter des choses sur votre terrasse à ce niveau-là. Hein. Par exemple, des transats en escalier. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Pouf, pouf, des transats en angle et tout, on se fait plaisir. Voilà. Hein. Après tout. Hop. Voilà, deux transats avec des accoudoirs. Parce que c'est swag. Et donc voilà un peu notre maison. Me semble-t-il que j'ai rien oublié, donc en tout cas elle est très stylée, moi j'adore vraiment ce petit concept de maison là, parce qu'on dirait un ruban vraiment. Vous voyez tout le quartz là qui fait la structure de la maison, on dirait un ruban de quartz qu'on aurait complètement déroulé comme ça, et moi j'aime bien. C'est, voilà, j'aime bien le concept, la maison est jolie, faites-vous plaisir, en tout cas j'en ai fini, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les prochains tutoriels que vous avez pu un petit peu entrevoir durant cette vidéo, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine!